Le mercredi 25 avril 2024, l'ONG internationale Human Rights Watch a publié un rapport faisant état de massacres de civils burkinabés au nord du Burkina Faso dans les villages de Nordé et de Soro. Alors même que l'État libre et indépendant du Burkina Faso, à travers ses institutions de la justice, avait fait diligenter des enquêtes sur ces présumées tueries. Human Rights Watch a précipité cette publication, fruit d'une imagination où elle vomissait que 223 civils burkinabés avaient été tués en fin février dernier. Cette publication hâtive, sans attendre les résultats de l'enquête diligentée par la justice indépendante de notre pays, a pour objectif de réaliser un plan de déstabilisation de notre révolution, de notre peuple, comme ils ont d'ailleurs coutume de le faire. En effet, ces médias mensongers occidentaux ont pour rôle de jouer le rôle du complot. Ce sont les étapes précurseurs qui consistent à accuser sans fondement à travers la publication et le relais d'accusations injustes et infondées contre leurs victimes, que sont principalement les pays de l'AES. Le plan consiste à ensuite appeler les pseudo-organisations internationales et communautaires de défense des droits des humains de leur pays complices, que sont la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique et la France, à maximiser la diffusion de ces mensonges de sorte à ce qu'ils deviennent réputés vrais. Dans le plan du complot, les organisations internationales mafieuses, notamment le système des Nations Unies, l'Union africaine, la CEDEAO, la Cour pénale internationale, devront condamner et prendre des mesures correctives contre notre peuple et freiner notre révolution. C'est dans cette optique que les gouvernements des États d'Amérique et le Royaume-Uni, en date du 29 avril 2024, ont fait une déclaration conjointe pour appuyer la publication de Human Rights Watch. Par la présente mobilisation, nous tenons à affirmer que la révolution du Burkina Faso est réversible et irrévocable. Nul ne peut s'opposer à la révolution engagée par le peuple. Camarades, au regard de tout ce qui précède, nous, peuple digne du Burkina Faso, demandons de façon péremptoire et sans condition la suspension définitive de VOA Afrique au Burkina Faso, la suspension définitive de BBC Afrique au Burkina Faso, l'arrêt des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et les États-Unis d'Amérique jusqu'à nouvel ordre, l'arrêt des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et le Royaume-Uni jusqu'à nouvel ordre, la fermeture définitive du site web de Human Rights Watch au Burkina, la fermeture définitive de tous les médias qui ont relayé ces informations mensongères. Vive, vive le capitaine Ibrahim Traoré, vive le colonel Assamy Gueta, vive le général Abdramane Tiani, vive l'AES, vive le peuple digne de l'Afrique, la patrie ou la mort, nous vaincrons.